Salut les copains, alors on va faire le point et il y a des choses qui sont fantastiques et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins plaisantes. Voilà, je rencontre quelques petits points noirs, mais c'est pas grave. J'ai acheté un petit peu de matériel et puis un petit peu de terrain aussi. Donc au niveau du terrain, on va voir ça. Vous voyez, là j'ai le 56 et le 54 là qui sont à moi aussi. D'ailleurs, vous avez pu voir dans l'accéléré quand j'ai fait la tonte ici. Et là, j'ai semé sur seulement une partie du terrain. J'ai semé de l'orge pour pouvoir démarrer les poules. Et l'autre partie, j'attends la bonne saison pour planter une nouvelle culture. Voilà, ça c'est pour les terrains. On peut aller voir ensemble. Alors, vous avez vu aussi que j'ai placé des chèvres. Et malheureusement, je rencontre un problème avec, avec l'eau, parce que l'eau ne suffit pas en quantité quand je passe au mois suivant, par exemple. Là, si je remplis la réserve d'eau, j'ai même essayé de laisser la citerne dessus pour continuer d'alimenter, j'ai mis plusieurs bottes, mais la santé des animaux, elle reste à zéro. Et là, si maintenant je remplis la cuve, voilà, admettons maintenant je remplis, je passe le mois, et ben c'est à zéro. Donc il n'y a pas suffisamment d'eau et j'arrive pas à remplir plus, donc je sais pas comment faire. Donc pour l'instant, je me dis que tant que j'ai pas la solution, et ben les chèvres elles vont rester en déco comme ça, quoi. Et puis sur l'autre partie de terrain, alors parce que j'ai testé aussi que là sur le terrain des chèvres, je peux, sur une partie, et sur la partie terrain des campeurs, et le petit morceau de terrain qui est en face de la maison, là où je vais me rendre à l'instant. Voilà, cette partie-là, eh bien si je tombe, je peux pas ramasser l'herbe. Donc je peux juste l'utiliser pour poser des trucs dessus. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire de l'argent et puis avec l'argent je vais poser de nouveaux enclos d'animaux. Je vais voir pour les vaches si c'est le même problème ou pas. J'ai les lapins, j'espère pas que. Voilà, j'aimerais bien que ce soit fonctionnel, tout ça aurait été plus sympa. Malheureusement, si c'est pas fonctionnel, bien je poserai les bâtiments sur cette partie de terrain-là. Et alors, ben j'ai pas non plus les temps de connexion de malade, mais ça me plaît bien de jongler sur les deux maps, pour le moment en tout cas. Du coup, pour m'aider sur celle-ci à avancer, là-bas j'ai placé une antenne. C'est une antenne qui génère un petit peu d'argent mensuellement. Alors, je crois que ça varie selon les mois, mais en gros, ça donne à peu près 20 000 par mois, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, ça va pouvoir m'aider à monter un petit peu de façon plaisante, sans galérer, parce que j'ai pas des temps de connexion de malade. Et j'ai pas envie de choisir entre les deux mobs, j'ai bien envie de continuer le petit truc sur les deux. Et pour la petite histoire, eh bien, je me dis qu'ici, c'est un très bon test de départ, puisque de toute façon, on va que l'améliorer, la ferme. Donc dans tous les cas, à n'importe quel moment, je pourrais la revendre. Et puis, ça serait une rampe de lancement pour mon fils, quoi. Donc je vais laisser faire mon fils comme il veut pour améliorer cette ferme. De temps en temps, on viendra voir ce qui s'y passe. Et puis moi, de l'autre côté, ben, je continue sur The Valley, The Old Farm. Voilà, comme ça va me permettre de faire un petit peu sur les deux. Et puis, de temps en temps, je viendrai vous montrer ce qui se passe ici. Parce que ce qui est quand même agréable, c'est de dans une petite ferme comme ça, ça m'a fait tester tout le petit matériel. Là, j'ai l'habitude de jouer avec du matériel moyen et voire gros. Et là, vraiment, j'ai regardé pour travailler avec vraiment que des petits tracteurs, du petit matériel, là, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, ça change un peu, et sur The Valley, ben, ça serait un peu plus gros, donc
Voilà, ça me plaît bien de goûter aux deux. Et ici, vous avez vu que j'ai rempli un petit peu d'air pour faire de l'ensilage. Bon, au début, ça s'est pas très bien passé. J'ai rencontré quelques difficultés. J'ai des problèmes de bug ici où ça accroche un peu avec le tracteur. Mais bon, à la fin, ça a été quand même. Et puis, j'ai rajouté le mode avec les sacs de sable pour lester la bâche, quoi. Voilà, ça me paraît un petit peu plus réaliste et c'est plus joli. Ici, donc c'est le terrain dont je vous disais que j'ai cultivé seulement sur une partie. Oui, cette partie-là qui est en réserve pour tester une nouvelle culture. Il faut que je regarde ce qu'il me faut pour nourrir les lapins et j'imagine que c'est une des nouvelles cultures. Donc c'est ce que je vais essayer ici. Et ici, j'ai mis un peu d'orge. Voilà, pour le moment, il n'y a pas grand-chose de fait, à part les premières tondes. Vous avez vu que j'ai vendu la première série de balles. Et c'est ça, c'est le matériel de tonde avec lequel vous m'avez vu travailler. Alors, je suis pas sûr qu'on reste là-dessus, on verra avec le temps. Et cette remorque pour ramasser les balles là, en autoload, ben, je l'adore cette remorque. Je l'ai aussi sur The Valley, mais vraiment, elle est fantastique, je l'adore. Voilà, alors j'aimerais bien racheter du terrain. Si possible, j'aimerais bien racheter celui-ci. Voilà, ça c'est les ambitions futures. Et puis démarrer si possible, le nécessaire pour démarrer au plus vite les vaches, quoi. Là, ce qui va venir en premier, normalement, c'est les poules. Et puis placer un bâtiment pour mettre les moutons. Les chevaux, on verra vraiment, vraiment, vraiment plus tard. Je suis pas pressé. Et puis on va essayer tout doucement. Alors j'ai acheté le terrain de camping. Là, apparemment, il faisait pas partie de la ferme, donc je l'ai acheté. C'est comme ça que j'ai dépensé les 200 000 là, à peu près. Et ben on va essayer de l'améliorer tout doucement. On va essayer de le rendre un peu plus plaisant, mettre un petit peu de jeu pour les enfants, des choses comme ça. Voilà, on est un peu plus sympa encore. Voilà. Ça, c'est les petits projets pour cette ferme. Je vais donner les directives au fiston. Là, les fonds, ils sont un peu bas pour lui pour démarrer, mais voilà, comme vous le savez, avec l'antenne, ça va aider. Il va galérer un petit peu les premiers mois et puis après il va s'en sortir, quoi. Voilà, donc moi je vais pas faire attendre plus le voisin, je vais remonter à The Valley, The Old Farm. Et puis nous on se retrouvera là-bas. Et quand il y aura de l'amélioration ici, je viendrai vous faire voir. Allez, à bientôt. Ciao ciao.